question qu'on ait des appartements avec des cloisonnements, on ne pourra jamais voir nos amis. Donc ça, c'est un problème avec les immobiliers. Non, mais madame, je connais très bien la problématique de la compensation de cette personne qui a besoin d'un fauteuil. Voilà. Si vous savez combien ça coûte un fauteuil, vous savez, de l'autre côté, voilà, Xavier qui est ici, voilà, oui, qui a besoin d'aide technique et d'aide humaine. Là, je suis désolé, on supprime la compensation. Vous avez la problématique, oui, voilà, tous ces gens qui sont en colère aujourd'hui. Non, mais j'ai entendu, monsieur, accessibilité, compensation, oui. Voilà, madame, s'il vous plaît, merci. Jeunes aidants familiaux, voilà, les aidants. Madame, je vais vous poser une simple question. Je ne vous parle pas des aidants, des jeunes aidants familiaux, les enfants qui sont moins de 18 ans. Je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous, demain, si vous êtes en situation de handicap, est-ce que vous accepteriez que votre enfant de 17 ans, un garçon, vous lave ? Est-ce que vous ne l'accepteriez pas ? Alors pourquoi moi, on me l'impose ? Parce qu'on m'enlève des heures d'aide humaine, c'est mon fils de 17 ans qui est obligé de me laver, vous trouvez ça logique ? Non, ce n'est pas logique. De plus, je crois qu'en France, les enfants, 91 madame, mais en France, madame, nos enfants, dès le moment où ils n'ont pas 18 ans, ils ne sont pas reconnus. Moi, mon fils, aujourd'hui, on m'a appris qu'il n'avait pas le droit à la première aide qui demande parce que... Pour manque d'assiduité à l'école. Mais quand moi je vais pas bien, mon fils forcément ne dort pas à l'école. Il préfère rester à côté de moi. Et c'est lui qu'on pénalise. Aujourd'hui, il n'aura pas sa première aide, il n'aura pas son option. À cause de quoi du fait que je suis en fauteuil blanc.